cours au centre équestre de Madame Règle. La neige tombe depuis plusieurs jours et le joli manteau blanc recouvre toute la vallée. Les animaux se mettent à l'abri car l'hiver est là. Ce soir, Madame Règle et ses amis vont fêter Noël. Quelle belle nuit de Noël. Que j'aime quand la neige tombe, surtout le soir de Noël. Oh là là, que je déteste ça. Toute cette neige qui tombe depuis des jours, il faut absolument tout nettoyer avant Noël. Oula, Cheyenne ne semble pas être dans son assiette ce soir. Du calme, ma belle. Je sais que tu n'aimes pas entendre Cheyenne souffrir. Moi non plus, d'ailleurs. Pauvre Cheyenne et pauvre Océane. Courage, Cheyenne. La vétérinaire nous a dit que tu mettras bas, pas avant la semaine prochaine. Alors courage, ton poulain arrivera bientôt. Oh ma Cheyenne, mais tu trembles, tu sembles malade. Cheyenne est malade! Mince, Cheyenne semble malade. Cela peut être très grave si le poulinage commence déjà. Si le poulain naît avant la date prévue, il sera prématuré et aura du mal à survivre. Mais il faut avertir Madame Règle tout de suite! Madame Règle, vite! Madame Règle, vite! Madame Règle! Hein? Oui? Mais qu'est-ce qui se passe? Madame Règle arrive, ne t'inquiète pas. J'espère que le poulinage n'est pas en train de commencer. Je ne veux pas t'inquiéter, mais prépare-toi au pire. Bon alors, comment va finir? Mais elle tremble. Vite, il faut appeler la vétérinaire, tout de suite. Vétérinaire, j'écoute. Oui, ici Madame Règle du centre équestre. Nous avons une urgence. Oui, je vous écoute. Cheyenne tremble énormément et semble souffrir. Elle doit mettre bas la semaine prochaine, mais là, je crains le pire. D'accord, j'ai compris. Mais je ne peux pas me déplacer, car mon mari est déjà parti avec mon véhicule pour une autre urgence. Ah mince alors! Je vous propose de venir vous chercher avec notre propre voiture. Parfait, mais faites attention. La météo annonce une tempête de neige. Réunion immédiate! Tout le monde est attendu à l'accueil, s'il vous plaît. Et rapidement, Cheyenne et son futur poulain sont en danger. Bon, je vous explique. Cheyenne semble très malade. Et elle risque de pouliner cette nuit. Je vous rappelle que le poulain sera donc prématuré et sa vie est en danger. Hélas, la vétérinaire ne peut se déplacer, car sa voiture est déjà prise pour une autre intervention. Alors nous allons immédiatement partir avec la voiture, malgré la tempête de neige qui approche. Nous avons, hélas, aucune autre option possible. Bob, allez vérifier si la voiture démarre. J'y vais de suite, Madame Ray. Mince, la voiture ne veut pas démarrer. Il fait trop froid et la batterie a dû se vider. Mais si la voiture est en panne, cela veut dire que Cheyenne ne pourra pas être soignée? Que va devenir le poulain? Oh non, quelle poisse! Madame Règle, la voiture ne démarre plus. Impossible de partir avec. La voiture est en panne? La tempête de neige qui arrive? Bon,
Là, on ne peut plus attendre. Tant pis, il faut y aller à cheval. Et à cru. Il faut partir le plus rapidement possible. On prend un cheval de plus pour la vétérinaire. Et vite! Oh là là, quelle tempête! Allez vite, on y va. Vous êtes sûre de connaître le bon chemin? Oui, enfin, j'espère y arriver. Mais nous n'avons pas le choix. La vie de Cheyenne est de son poulain et entre nos mains maintenant. En avant! Oh les cœurs, et en avant! Partons avant que la neige recouvre entièrement le chemin. Oui, madame. Quel courage! Partir de nuit et en pleine tempête de neige! Le poulinage doit absolument se faire à l'écart des autres chevaux. Il faut que tu sois forte pour toi et ton poulain. N'inquiète pas, Madame Reg est partie chercher le vétérinaire. Courage, Cheyenne.